Salut, salut. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de mon activité, précisément. Parce que souvent, on me dit, bon, qu'est-ce que tu fais, tout ça. Et de base, en fait, j'accompagne les gens à aller mieux dans leur vie, que ce soit dans le domaine de la santé, de leur santé, que ce soit dans le domaine de leurs finances, puisque j'accompagne des gens à monter leur propre activité. Avec un concept, j'ai envie de dire, clé en main. Et mon activité porte un nom. En fait, elle porte trois noms, mon activité. Elle porte le nom de marketing relationnel. C'est le terme que je préfère et c'est de ça dont je voudrais te parler aujourd'hui. Elle porte aussi le nom de marketing de réseau, puisqu'on utilise notre réseau pour faire du marketing. Et puis, elle porte un autre nom, dont je suis beaucoup moins fan, même si à la base ça veut dire la même chose. Elle porte le nom de trois lettres MLM, Multi-Level Marketing, puisqu'on fait du business sur plusieurs niveaux. Alors, ces trois termes qui vraiment veulent dire la même chose, ces trois termes qui définissent exactement la même activité. Ce dont je voudrais te parler aujourd'hui, c'est. Pourquoi en fait je me permets de dire que en fait il y a MLM, il y a marketing de réseau, puis il y a marketing relationnel, puis même à l'intérieur du marketing relationnel il y a surtout, j'ai envie de dire, une façon de faire. Il y a beaucoup de gens avec qui je parle qui sont intéressés parce que ils voient que je suis souvent en extérieur, que je suis souvent je suis dans mon camping-car, je me balade, je suis avec mes enfants, ma femme. J'affiche une certaine liberté. D'ailleurs, mon podcast, ma chaîne YouTube, mon TikTok s'appelle Freedom by Axel. C'est quelque chose de très, très, très fort en moi. La liberté, c'est quelque chose qui transpire de toutes mes pores. Après avoir été, entre guillemets, enfermé dans des hôtels pendant 20 ans, j'ai décidé de prendre ma vie en main et vraiment d'être libre, enfin de m'offrir cette liberté parce que c'est un véritable cadeau, hein. Ça se fait pas comme ça, voilà, lancer un business, même si c'est un business clé en main, ça demande du boulot, ça demande du boulot, tout simplement. Et même si on apprend aux gens à faire ça à partir d'une heure par jour, ben ça demande quand même de le faire, et puis ça demande une certaine constance. C'est certain qu'en y mettant une heure d'effort par jour, ça demandera plus de temps, théoriquement, que d'y mettre 8 heures par jour, parce que ça aussi, ça c'est un sujet qu'il faudrait que je fasse, est-ce qu'il faut vraiment travailler énormément pour arriver à quelque chose, ou est-ce qu'à un moment donné, il vaut pas mieux travailler moins, mais efficacement? Ça, tiens, il faudra que je fasse un sujet là-dessus. Ah, c'est super, il y a un monsieur qui met en route un appareil, je sais pas si ça s'entend, on verra bien après. Souvent quand je dis, ben voilà, moi en fait, je fais du marketing relationnel, ah oui, d'accord, oui, bah alors il y a plein de gens qui connaissent en fait, parce que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, les gens connaissent Tupperware, les gens connaissent ce système de vente par réunion, et c'est vrai qu'à la base, c'est tout simplement ça, hein. On a des produits, on est dans le bien-être et la santé, on a des produits très haut de gamme, on a des produits de qualité et produits naturels, et c'est vrai que de base, c'est ça. Mais j'aime bien aller plus loin et j'aime bien expliquer, j'aime bien donner une chance en fait, donner la chance aux gens en fait de découvrir pourquoi c'est différent. Et c'est pour ça que j'avais envie de faire ce contenu aujourd'hui, parce que ce qui est différent dans notre façon de faire, c'est que ben déjà, on donne le droit aux gens, on met en priorité la partie relationnelle. Et on donne le droit aux gens tout simplement de dire « Ouf, non, ça m'intéresse pas ». Alors forcément, on est professionnel, donc moi, je vais poser la question, pourquoi ça t'intéresse pas? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que t'as déjà essayé? Ça a pas fonctionné? Est-ce que tu connais quelqu'un qui l'a fait puis ça a pas fonctionné? Et ça me paraît juste normal en fait. À un moment donné, je sais pas moi, tu vas dans un magasin de vêtements puis tu veux un jean puis t'en essayes deux puis tu dis bah non, au final ça me va pas. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui va pas? C'est la coupe, c'est ici, c'est la taille, c'est la couleur, qu'est-ce que c'est? C'est normal. Mais là où ça va faire la différence, c'est à plusieurs niveaux. Déjà, un, moi je parle très rarement, je l'ai fait récemment parce qu'il y avait ça, mais je parle très rarement d'opportunité. Tu sais, ouais, vas-y, rejoins l'équipe tout de suite, c'est une grosse opportunité, tu peux pas la louper. Merci monsieur, c'est gentil d'animer mon podcast. Franchement, j'adore. Mais voilà,
c'est une opportunité au moment où tu démarres ton activité, c'est une opportunité. Quand tu démarres ton entreprise, c'est l'opportunité, elle est là. Est-ce que c'est bien de joindre maintenant? Oui. Est-ce que c'est bien de joindre dans 6 mois? Oui. Est-ce que c'est bien de joindre dans 3 ans? Oui. En fait, c'est bien de rejoindre cette activité, c'est bien de la démarrer au moment où ça sera pour toi le bon moment, parce que forcer quelqu'un à faire quelque chose, ça donne pas grand chose d'intéressant. Imagine, je te dis, ah putain, moi j'adore courir, ça me fait du bien, vas-y viens, et toi t'as pas envie, et je te force, éventuellement tu vas à la blessure. Imagine, je te dis, putain, viens, on perd du poids ensemble, comme moi t'as 10 kilos à perdre, vas-y viens, et toi ça te motive pas, et qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas tenir le coup? Je suis pas sûr en fait. Donc c'est pour tout pareil. Donc cette histoire d'opportunité qu'il faut pas louper et tout ça, moi je dis bon... Je suis pas trop fan. Donc c'est à chacun son rythme. J'ai une amie d'enfance qui a rejoint l'activité quand j'ai démarré il y a 2 ans et demi, au moment où je tourne ce contenu. 2 ans et demi, quand j'ai démarré, je lui ai proposé l'activité, puis elle m'a dit, oh là là, non, c'est pas du tout pour moi, non, ça me plaît pas, oh là là, non, bon, je vous passe les détails, parce qu'elle a vraiment été, elle était un petit peu loin, c'était un peu dur d'entendre ça d'une amie d'enfance, mais, puis là, elle a rejoint, en fait, il y a un mois ou deux, elle me dit, Axel, tu fais toujours ça? Oui, pourquoi? Ben, en fait, finalement, voilà, c'était assez drôle. Et aujourd'hui, vous voulez que je vous dise, elle est en train d'exploser. Il y a plein de gens qui joignent son équipe, elle vend beaucoup de produits, elle a des titres qui tombent et tout ça. Enfin, elle est en pleine réussite, en fait. Pourquoi? Parce que c'était le bon moment pour elle. Et je l'ai laissée tranquille. Si à ce moment-là, j'avais insisté, à un moment donné, on aurait pu se fâcher, ou elle aurait pu le faire quand même, mais à contre-cœur, et au final, ça n'aurait pas donné grand-chose. Tu vois le truc? Et du coup, ça c'est une grosse différence. On va pas être mes partenaires québécois, ils disent achalant. Être achalant, c'est mettre la pression aux gens. C'est tu me réponds pas. Vas-y, dis-moi. Alors, mais si, il faut. Regarde, mais si. Non, cool. Et parce que vous savez, je dis toujours un truc. Je dis, il y a 3 points en fait dans mon activité. Il y a 3 choses. Quand je connecte avec quelqu'un, quand je connecte avec toi, je sais pas où est-ce qu'on s'est rencontré, peut-être qu'on s'est jamais rencontré, mais si un jour je connecte avec toi, je vais essayer d'en savoir plus sur toi. Qu'est-ce qui va déboucher de ça? Ben, il va déboucher de ça que ça va logiquement créer une relation. D'accord? Cette relation, elle va être relation, rester relation et pointe à la ligne. Il y a plein de gens sur les réseaux avec qui je discute depuis des années. Je suis content de discuter avec eux. J'adore ce qu'ils font. J'adore ce qu'ils partagent et tout ça. Mais on travaille pas ensemble. Ils sont pas clients à moi. C'est parfait. C'est des relations. OK? La deuxième chose, c'est que la relation peut devenir client. La relation peut devenir partenaire d'affaires. Mais ce qu'il faut que tu entendes aujourd'hui, et c'est là-dessus que je vais terminer, et c'est ça où on fait la différence, c'est que c'est parfait dans les 3 cas. Oui, c'est parfait dans les 3 cas. Faire du marketing relationnel, c'est accepter déjà que tout le monde ne va pas faire cette activité, que c'est à chacun de choisir s'il veut le faire ou pas, que tout le monde ne va pas acheter mes produits, c'est à chacun de décider s'il va devenir client ou pas. Et c'est parfait comme ça, parce que, encore une fois, c'est pas parce que moi je fais ça avec cette compagnie-là, que toi tu dois acheter forcément mes produits et que t'as pas le droit de les acheter ailleurs. Je crois qu'on a tous le droit de choisir qu'est-ce qu'on va acheter. Et avec qui on va travailler. Évidemment, si tu veux travailler avec moi, ça sera avec grand plaisir. Et parce qu'on a une super équipe, parce qu'il y a une superbe entente, une superbe entraide, il y a aucune pression, tout ça. Évidemment, c'est la plus belle équipe. Il fallait que je termine sur une pointe du monde. Mais en tout cas, c'est la vérité. Bon, en tout cas, tu l'auras compris. Et si jamais tu veux, après tout ce que je viens de dire, si tu veux des infos sur mon activité, sur mes produits, sur tout ça, surtout, t'hésite pas. Dépendamment d'où tu m'écoutes, tu me trouves sur les réseaux, tu me contactes et ça me fera plaisir de partager l'information avec toi. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça t'a plu ce que je t'ai dit aujourd'hui. Et puis, on se retrouve très vite. Je l'ai dit en début de contenu, il va falloir que je retrouve, mais il faut que je parle d'autre chose. Je sais plus ce que c'est, mais je le retrouverai. Porte-toi bien. Fais attention à toi. À très bientôt. Ciao, ciao.